C'est là le cœur du sujet. Parce que vous savez, dès qu'on sort de cet hémicycle, il y a tout un tas de médias pour nous questionner. Monsieur Bernalici, est-ce que vous êtes pour le couvre-feu à 18h? Par exemple. Et moi, qu'est-ce que je leur réponds? Ben, je ne sais pas, on ne va pas poser la question. Enfin, si, les journalistes me posent la question. Mais est-ce qu'on m'a, à un moment donné ici, consulté? Est-ce qu'on a demandé mon vote, mon suffrage pour de telles mesures exorbitantes? Non. On m'a juste demandé de voter une boîte à outils permettant au gouvernement de faire ce genre, de prendre ce genre de décision. Et encore, j'ai dit le gouvernement, je suis sympa, puisqu'en réalité, c'est le Conseil de défense qui prend toutes les décisions et le Premier ministre qui s'exécute, le ministre de la Santé éventuellement aussi, en cascade. Bon. Et on vient nous dire, on vient nous demander notre assentiment sur des mesures a posteriori, et vous venez nous demander de nous autoflageller, ici, devant vous, monsieur le ministre, entre nous collectivement, pour vous donner les pleins pouvoirs, alors qu'il y a déjà une plainte qui suit son instruction devant la Cour de justice de la République, avec la mascarade initiale sur les masques, où vous avez menti, et demain sans doute une plainte devant la Cour de justice de la République sur la mascarade des vaccins, puisque les maires nous font remonter de partout, que les doses promises ne sont pas là, et que les gens qui veulent se faire vacciner ne le peuvent pas, qu'on soit pour ou contre le vaccin. Et vous venez nous disant jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre. Déjà que je n'avais pas confiance dans le gouvernement avant, j'en ai pas beaucoup plus après. Que j'ai de la confiance dans la capacité du peuple français à s'organiser collectivement face à cette crise, oui, mille fois oui. Nous avons les compétences, nous avons les ingénieurs, nous avons les chercheurs, etc. Ce qu'il nous manque, c'est un gouvernement qui sait où il va. Et ça, nous n'en voulons plus de ce gouvernement-là, et pas plus que les pleins pouvoirs qui vont avec.